chaque chose à sa place, une place pour chaque chose. L'ordre des choses, les choses en ordre. Entrez dans les ordres, retrouvez l'ordre des choses. Donnez un ordre, ordonnez les choses. Depuis le début des choses, quand régnait le désordre, l'ordre a conquis les choses, mais au loin à sa place. Le bruissement d'une chose, perdu dans l'espace, a changé les choses, a fait vibrer la glace. L'année prochaine. Bonsoir.
On vient de Lyon, nous, de France. Tous les ans Ça fait 3 ans, combien? C'est la 3e année. Vous connaissez peut-être comme Dan Arbraz. Oui, hein, Dan Arbraz. Voilà, qui a failli être le guitariste d'ailleurs de Jethro Tull à une époque. Oui. Hein, qui a joué dans Fairport Convention aussi. Et qui est venu donc à notre à la sortie de l'album il y a 15 jours en Bretagne. Et nous, on était vraiment étonnés, c'était vraiment pas prévu. Et il a beaucoup aimé les trois clips, il nous a vraiment encouragés. Voilà, ça c'est la vraie bonne surprise, et on était vraiment, vraiment très très contents. C'est surtout l'ambiance qu'il y a dans ce concert. Et j'ai mon fils ici à côté de moi, et hier j'avais ma fille, donc et c'est cette ambiance un peu familiale, un peu aussi camping, boy scout, etc. Cette ambiance très décontractée, où les gens sont là pour s'amuser, pour découvrir de nouvelles choses, et même les groupes viennent écouter leurs condisciples. Donc c'est vraiment une ambiance très conviviale et d'année en année ça se bonifie. Et on a en plus la chance cette année d'avoir, comme l'a dit Bastien, des groupes de très grande qualité. Ce sera encore le cas cet après-midi. Au départ, on avait entendu parler de l'ambiance du Spirit. Puis pour nous, c'est l'occasion de voir des groupes de progressifs qu'on ne pourrait pas voir chez nous parce qu'on n'a pas la chance d'avoir un truc comme le Spirit, quoi. Donc c'est essentiellement ça. Puis les Belges sont très sympathiques, on aime bien venir là, quoi. Non, il n'y a personne. Non, sincèrement, par rapport aux autres années, c'est ridicule, quoi. Moi, je déconne. Sidewalks on the prowl.
choice. Raincoats, raining forests of me. I percolate, oozing. That you feel a power don't wear it out, we choose it wrong. She will still be protected to my closet. It's my woman's best friend tomorrow. Thank you.
Merci. Thank you. I'm very happy to be here. This is our first time performing outside of our country, which is Israel. So far, you've been great. Thank you very much. Tout est absolument original sur l'album. Nous avons fait les photos. Les photos ont été faites ou par moi ou par Franck, un autre intervenant photographe. Les peintures, c'est pareil, c'est ou moi ou Franck. Qu'est-ce qu'il y a aussi sur l'album ? Toute la conception graphique, ça c'est moi qui l'assume, ainsi que l'histoire. Les clips ont été aussi faits par nous. Enfin, absolument tout de A à Z est original et issu de Seven Rays. On fait toujours un plan, tous les deux, grosso modo de l'histoire. Et ensuite, suivant toute l'histoire, on la découpe en séquence, on va dire en séquence émotion, c'est souvent comme ça. Et puis ensuite on crée la musique qui peut aller avec, ou alors la musique existe déjà, et on essaye de voir quelle est la musique qui pourrait aller à cette partie de l'histoire. Je dirais qu'on va carrément à l'essence du progressif, carrément, tout simplement. On essaie de revenir à ce qu'a toujours été cette musique, ce qu'elle devrait être à notre sens à nous. À savoir une découverte, quoi. Enfin, essayer de ne pas tourner dans le ronron, dans les clichés. Thank you.
people. A beginning, a better light, a risen truth. Quantum Fante, j'ai trouvé ça très très bien, je vais m'acheter le CD. Et le deuxième, pas mal, Solstice Coil. Alors, Overhead, je les avais déjà vus en mai-juin, j'avais trouvé ça extraordinaire à ce moment-là. Et cette fois-ci, eh ben, c'était encore un niveau au-dessus. Ils sont vraiment extraordinaires sur scène. Pour moi, la convention progressiste, j'y assiste tous les ans depuis le début. Et c'est un événement incontournable pour un professionnel du progressif. Il y a une foule de festivals dans le monde entier, mais j'en sélectionne 4 ou 5 les plus importants, les plus représentatifs. Donc je vais au Nearfest aux États-Unis, je vais au Baraprog au Mexique. Et je viens en Belgique à la convention progressiste tous les ans avec un plaisir toujours égal. Et ici, ce que je trouve vraiment de très intéressant en tant que professionnel toujours, c'est qu'on y trouve à la fois des groupes confirmés qui sont là pour donner du plaisir garanti, je dirais, et puis des groupes à découvrir. Des groupes, tous les ans, je découvre des groupes que j'ai jamais vus auparavant. Et ça a donné parfois l'occasion de publier un nouveau disque en venant découvrir des disques ici. Alors, le rock progressif en tant que courant musical se porte très bien. Le public n'a jamais été aussi large. Moi, j'ai grand plaisir à voir que dans les festivals, il y a maintenant une proportion importante du public qui est dans une tranche d'âge 20-25 ans. Chose qu'on ne voyait pas il y a 10 ans. Hein. C'était un phénomène tout à fait nouveau. Par contre, parallèlement à ça, il y a le marché du disque, du CD, qui lui est en pleine crise. Alors, l'un dans l'autre, ça se compense, je dirais. Chez nous, en tant que label, on stagne depuis quelques années. Mais ça, c'est certainement dû à tous les problèmes qui sont autour du marché du disque, à la copie privée, au téléchargement illégal, etc. Ça fait beaucoup de tort à la musique. Mais le marché du progressif résiste plutôt mieux que les autres courants musicaux dans ce contexte-là. La raison, c'est qu'on a affaire à des mordus, à des fans, à des gens passionnés. Et en général, ils témoignent plus de respect pour les musiciens que le consommateur moyen de musique pour grand public. Et dans ce contexte-là, je suis assez positif. The Common Number is very easy because it's a little story about the boy that becomes a wolf. So this time is very comprehensive. Well, the boy that howls at the moon. Oh. Thank you.
to streets, scratch them on cold night, bare hands and feet, past the outskirts side, to a rock on the hill, silhouetted now, I'm the boy. Yes, the boy that howls at the moon that would say, the wicked boy that's trapped in some kind of a tragedy. Weird and obscure, yeah. Show up, right then. I smell the air, get high on chemistry, in my own nightmare, while I play the beast, and the beast, I will come out for you, it's right inside of me, tearing up my soul. Lost in the moonlight, the shines on my legs, white strikes my spine, time has come, for me to join the dark, right where they hell, no control, no.
infantry, sirens come out, guns fire out. Now it's the hunt. I'm gonna turn your fears, get some blood. Full of mysteries.
Jesus tried. I'll let heaven go. Let heaven of mysteries try. I'll let heaven. Mysteries in which we have to test die. Okay. C'était génial. Tous les groupes sont merveilleux et progressistes, quelle équipe merveilleuse. Una birra, l'ultima birra, una birra, l'ultima birra, una birra, l'ultima birra. En 2006, le PROC se porte bien au niveau européen, extra-européen. Franchement, il y a beaucoup d'avenir quand même dans le prog, car il arrive maintenant à faire le lien avec d'autres genres musicaux et à se tisser vers d'autres sortes de toiles musicales. Et voilà, c'est tout à son avantage. Donc, à mon avis, il reste encore de belles années pour le prog. Voilà. C'est du grand art et on reviendra peut-être faire 1000 km jusqu'ici. On ne peut pas retourner en France sans avoir mangé une frite belge. On ne l'a pas fait encore, on ne peut pas. Oui, il mourrait où quelqu'un m'a dit. Que je n'existais plus. C'est une super convention, très bon groupe, une bonne diversification. Et alors vraiment des belles têtes d'affiches, quoi. Donc non, moi j'ai trouvé ça bien. Il y avait vraiment pour tous les goûts et tout était bon. Avec plus ou moins, on aime mieux, on aime moins, mais si, c'était vraiment, pour moi, c'est une belle convention. Tous les groupes sont vraiment bien, quoi. Ça s'est vraiment bien passé pour nous. On vient du côté de Moucron, en fait, et c'est vraiment bien, quoi. Aucun problème. Ce qu'on croyait être la musique un peu intellectuelle est en fait une musique qui peut également plaire aux jeunes. Vive Overhead. Ouais, franchement, c'était super comme truc. Ouais, j'aimais bien. C'est des gens bien, c'est une musique un peu flottant, et c'est des gens très cool et c'est pas des agressifs. De grosses surprises, notamment au niveau du groupe Quantum Fanti, dont on connaissait les capacités pour avoir écouté le CD, mais sur scène, ils ont su mettre l'énergie nécessaire pour commencer un festival, et puis des grosses surprises, notamment aussi avec Overhead. On en parlait justement, c'est le genre de groupe qui donne un influx suffisant pour avoir l'impression qu'il se passe quelque chose de particulier sur scène. Donc c'est une grande satisfaction pour nous. Le niveau monte chaque année, comme la mer, et on va bientôt être noyé dans la qualité de la musique. Enfin, les choses arrivent, on attend longtemps, mais... Voilà, tout arrive. Et aujourd'hui, j'ai passé une des plus belles journées de cette année. Quand est-ce qu'on mange ? Par ça. C'était super. Ouais.
street on every road, in the run of every corner. Back shadows of a foggy man who's waiting at a station. Shadows of a foggy man who's waiting at a station. Thank you.
Madelguerre se porte bien, nous sommes venus qu'à deux aujourd'hui parce que les autres travaillent, mais on prépare assidûment l'album, il y aura de grosses surprises. C'est une musique qui, à mon avis, peut plaire à toutes les générations parce que c'est une musique intelligente. Quoi, et... C'est quoi une musique intelligente ? Qu'il faut un petit effort pour pouvoir l'apprécier et pas trois accords de base, répéter tout le long de la musique. Quoi. Surtout les guitares, et tout, j'aime bien le style. Je suis pas trop ce qui est maintenant sur la radio, je préfère ça. J'ai toujours écouté cette musique. Donc. We'll be right back.
La surprise, je ne sais jamais à quoi je vais m'attendre. Même à l'intérieur du même morceau, ça démarre d'une certaine manière et je ne sais pas où ça va m'amener, c'est un voyage. Et voilà. Quand je vois mon fils qui a 16 ans, qui commence à s'y intéresser, je me dis ben, y a de l'avenir. Quoi. Donc c'est que les jeunes commencent aussi à écouter. Il écoute évidemment la musique moderne, hein, actuelle, sa musique, je vais dire. Mais bon, grâce entre guillemets à moi, par mes disques, il commence à s'intéresser à autre chose et il trouve ça bien. Donc c'est qu'un moyen, petit à petit, de faire connaître. L'inconvénient, évidemment, c'est ce qu'on dit toujours, c'est que ça ne passe pas sur radio ou dans des émissions vraiment particulières et très tard. C'est un peu dommage, mais sinon, bon, ça reste... je ne vais pas dire que le public s'agrandit, mais il se spécialise, entre guillemets, il apprécie de plus en plus, et ça, c'est bien, je trouve. C'est chouette parce que les morceaux sont vraiment complexes et en même temps abordables, je trouve. Enfin, c'est vrai qu'il y a des groupes plus difficiles qui rebutent un peu, mais sinon ici j'ai vraiment pratiquement tout aimé, donc c'est vraiment chouette. Quoi. Un groupe comme Overhead a mis tout le monde d'accord parce qu'ils ont des influences multiples, que ça va du métal actuel au rock progressif plus classique. D'ailleurs ils l'ont prouvé en faisant une formidable reprise de King Crimson. C'était vraiment un groupe qui, je crois, marquait les esprits, ainsi que les autres formations. Bon, Mangala Vali, des musiciens au top, c'est toujours un plaisir de les voir sur scène. Soul Steel Sky, c'était aussi très étonnant, ces Israéliens qui sont fait tout ce chemin pour participer à la convention. Et alors une très bonne surprise avec les Belges de Quantum Fante, je crois que c'est encore une révélation. Donc c'était vraiment une affiche qui ne présentait finalement que du haut de gamme hier. Les gens apprécient quand ils viennent à des concerts, ça les amène à revenir, et ça c'est une bonne chose. Mais je pense que l'avenir du progressif, il est vraiment sur la toile. Au niveau des groupes amateurs, il y a tous les nouveaux modes de diffusion, ça fonctionne très très bien, ça fait découvrir des tas de choses. Et je veux dire, moi tous les jours je découvre de nouveaux gens qui s'intéressent au progressif et qui découvrent des choses sur la toile. Et finalement, je pense qu'il y a un avenir pour cette musique. Elle est un petit peu aussi intemporelle dans certains de ses aspects, et ça peut continuer à marcher. Bon, le côté un petit peu underground n'est pas pour nous déplaire, parce que quelque part, le mass media a tendance à formater les choses. Justement, le progressif, c'est une musique qui ne veut pas être formatée. Et même s'il y a des grands courants, comme dans tous les styles musicaux, mais le progressif refuse le formatage. Preuve en est l'état de nouveaux groupes, justement un peu comme Overhead, The Mars Volta ou d'autres, qui renouvellent constamment le genre. Et ça, je pense que c'est très riche et que ça va apporter plein de bonnes choses pour la suite. Et l'état actuel du rock progressif, eh bien, il se porte de mieux en mieux, quoi que certains puissent en penser, puisque il y a une pléthore de groupes qui apparaissent. Des disques comme s'il en pleuvait, des concerts ou des propositions, des demandes de concerts à voir difficile à gérer, que ce soit pour les organisateurs et même pour le public qui est amené à faire des choix. Le choix n'a jamais été aussi vaste que maintenant. Donc il y en a pour tous les goûts et je crois que chacun qui aime la bonne musique peut trouver son compte dans le rock progressif. The next song we will present to you. It's a song we made with a close friend of us. I think you all know him. And the song is called Roses.
Yeah. Come in your face.
finalement, il continue à s'émanciper de ses racines des années 70 et il prend de plus en plus de distance. On l'a encore vu, il y a des musiques alternatives, des musiques électroniques. Finalement, même l'amateur de progressif qui recherchait à l'époque le clone de Genesis, le clone de Yes, le clone de la musique qu'il a aimée, a compris maintenant, bon, voilà, il a eu sa dose de Yes, de Genesis, et maintenant on passe à autre chose. La musique s'émancipe, je trouve ça plutôt bien. On devient mature, je crois. Ben voilà. Il n'est jamais trop tard. Hein. Il n'est jamais trop tard. Merci à vous, c'est merveilleux, vous n'avez jamais été aussi nombreux. Merci au groupe, merci à Francie, merci à tous. Bravo, merci, à l'année prochaine. My teacher. Oh,
Cazzo figa culo. Ahead, I've sunk into the night, and all the light is passing through the window, blinking on my hair, killing all the shadows that were my first love. The rules for all the men to play. They broke all mirrors. We never see our faces. Our lives will leave no traces. Instrumental part. Can you tell me where my country lies? Said the uniform to his true love's eyes. It lies with me, cried the queen of maybe. For her merchandise, he traded in his price. Paper Lake, cried a voice in the crowd. Omen dies, the note he left was same of other things. He sings his drown, selling England by the pound. The citizens of hope and glory, time goes by, it's the time of your life. Easy now, sit you down, chewing through your wimpy. They eat without a sound, digesting England by the pound. Young man says you eat what you eat, eating well.
la maison belge. Ha ha ha.